Coucou les amis, nous allons parler aujourd'hui, en ce 9 avril, du chamanisme. Et je vais vous indiquer ce que signifie le tonal et le nagal. Et bien voilà, dans le chamanisme, l'être humain navigue continuellement entre ce qu'il maîtrise et ce qui le dépasse. Le tonal représente donc les habitudes, les conditionnements que l'on a et tout ce qui s'appuie sur l'expérience passée de ce que vous avez appris, vos valeurs, vos certitudes. Donc le tonal est ce qui a vécu, ce que vous pouvez en fait nommer dès lors que vous pouvez définir, délimiter, prouver un événement. Vous êtes dans le domaine du tonal. La propre représentation que vous avez de vous-même, du monde, des autres, s'apparente en fait au tonal, ce que l'on nomme dans le chamanisme. Donc plus une société se modernise et contrôle son environnement, plus elle évolue dans le tonal et elle édicte quantité de lois pour décrire et régir le monde. Ce sont les lois mathématiques, géographiques, historiques et même éthique. L'erreur consiste à croire que le tonal est la seule dimension de la vie. Le nagal représente tout le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas découvert, ce qui est invisible. Tout ce qui est invisible se nomme le nagal et représente, c'est le monde donc de l'invisible qui ne peut être ni contenu ni défini avec certitude, mais à travers lequel nous avons affaire tous les jours de notre vie, à travers notre imagination, à travers nos créations artistiques, quand nous créons une œuvre, quand nous polissons une pierre qui se transmute en sculpture, eh bien, nous sommes, donc nous créons un visage. Et l'artiste est animé par la force du nagal. Voilà, nous sommes dans le nagal, dans l'invisible, dans l'inspiration, dans la création. Et c'est ce qu'il faut que nous retrouvions en essence, par définition, à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce à quoi les chamans se connectent quand ils rentrent en transe chamanique, quand ils font une guérison sur quelqu'un. Eh bien, ils invoquent. Ils rentrent et font un voyage chamanique dans le nagal, dans l'invisible, pour se reconnecter à la source première et comprendre quelle est la maladie que la personne peut avoir, quelles sont ses zones d'ombre, etc. Il va rentrer dans le nagal, dans la partie invisible, que ce soit de son âme et de son corps, et aider son âme à se reconnecter à lui-même. Si par exemple il a oublié un bout d'âme en cours de route, ce qui peut être ce qui peut être le cas pour la plupart d'entre nous, où nous laissons une partie de notre âme parce que nous avons traversé beaucoup d'épreuves et que nous n'arrivons pas à retrouver notre spontanéité première ou notre enfant intérieur. Nous allons pour cela chercher dans le nagal, dans l'invisible, pour pouvoir nous reconnecter à cette dimension et la réintégrer à l'intérieur de notre âme. Nous sommes tous magnétiseurs, nous sommes tous guérisseurs, nous avons tous de l'énergie, bien évidemment, qui passe à travers nos mains, et nous pouvons tous nous auto-nettoyer et nous guérir. Les grands chamans qui ont existé et qui existent toujours à travers les régions de Sibérie, en Amazonie ou en Amérique du Sud, dans les peuples premiers, ne sont pas ceux qui sont nés dans des circonstances confortables, mais ceux qui ont dû aller chercher dans leurs réserves à eux les forces de leur transformation. Et donc, nous devons réapprendre à trouver la force instinctive et première qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir nous transmuter nous-mêmes. Reprendre à la source ce qui nous appartient, en fait, pour pouvoir nous auto-guérir
et nous réaligner. Dans l'attitude chamanique, plus les événements sont forts, plus le chaman retrouve en lui les ressources nécessaires pour devenir un guerrier du cœur. Nous devons être des guerriers du cœur, des guerriers de l'instinct, de l'intuition. Nous devons être dans la lumière, tout simplement. Nous devons être des guerriers, ce que l'on appelle les guerriers de la lumière. Cela demande au chaman d'investir son énergie au bon endroit. Dans la nature, lorsqu'une fourmilière est attaquée, les guerrières montent en première ligne et propulsent en quantité de l'acide formique. Plus les attaques sont fortes, plus les fourmis en produisent. Ainsi, au Québec, sont-elles capables de décourager l'attaque d'un ours tant elles sont dotées de cet acide. Cette capacité leur permet de développer des colonies plus nombreuses et plus résistantes et de coloniser des territoires beaucoup plus vastes. Donc, aucune énergie n'est consacrée dans le peuple animal à juger du comportement de l'autre. Aucune comparaison de ce qui devrait être. Chaque nouvelle attaque est l'occasion de développer une nouvelle résistance sur nous-mêmes, bien évidemment. Lorsque l'étoile de mer sent qu'elle est trop exposée au soleil, elle peut se séparer de l'un de ses 5 bras pour préserver ses organes vitaux. Donc ça, c'est quand même passionnant et hyper intéressant. Il n'y a aucun apitoiement, aucune perte d'énergie à juger de ce qui devrait être. Ainsi, si les animaux ressentent de la tristesse, de la joie, de la peine, de la colère, eh bien, ils n'éprouvent pas de sentiment d'injustice comme l'être humain. Absolument pas. Les animaux sont purs, sont dans une énergie de pureté première. Car tout ce qui vient de la nature est juste, est équilibré, est centré, en fait. À force de vouloir éviter un extrême, en général, on renforce son opposé. Les Chinois ont voulu exterminer, par exemple, la sagesse tibétaine. Ils ont méticuleusement enfermé tous les lamas et détruit tous les monastères des pays des neiges pour faire fondre un enseignement incompatible avec le communisme. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Chassés de leurs terres, les lamas en exil ont diffusé leurs enseignements dans le monde entier et sont devenus mondialement reconnus spirituellement. Jamais cette source de sagesse n'aurait pu se diffuser autant sans la volonté de la détruire. Peut-on alors de ce point de vue dire que l'invasion du Tibet est une mauvaise chose? Pour le chaman, rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. J'ai souvenir, moi, d'avoir rencontré quelqu'un qui était obsédé par le fait de vouloir s'acheter une voiture rapide. Pour lui, elle était le symbole de sa réussite. C'est au volant de cette voiture qu'il a eu un grave accident qui l'a laissé paralysé. Dans ce cas, l'idéal que recherchait cet homme est devenu sa principale épreuve à surmonter. Parfois, c'est l'inverse. C'est parce que cet homme a été quitté par cette femme qu'il a pu rencontrer la mère de ses enfants, avec qui il mène aujourd'hui une vie sereine. Vivant la séparation comme une épreuve initiatique, il a reçu en récompense une nouvelle rencontre. L'attitude chamanique consiste à se fendre, à se détendre face aux épreuves, en considérant que lorsqu'elles se présentent, ces épreuves, elles sont une occasion qui est donnée de s'améliorer et de se reconnecter à son moi profond. Accueillez les épreuves qui vous sont données à vivre comme des occasions de mieux vous connaître et de développer votre résistance. Une prière tibétaine se termine par puis-je rencontrer mes ennemis ? Celui qui a écrit cette strophe est conscient que le confort bourgeois ne donne que peu d'occasions de nous transformer, alors que les maladies, les séparations, les accidents de la vie sont des épreuves à partir desquelles vous pourrez trouver votre lumière, votre propre lumière. Le chaman ne cherche pas à être équilibré, c'est un équilibriste parmi lui-même. Il plonge dans l'inconnu, il a besoin de mouvement. Comme le funambule, il s'appuie continuellement sur les extrêmes de l'existence pour retrouver
son équilibre. Chaque mouvement vers la gauche imprime les conditions du mouvement vers la droite. La paix ne se trouve ni d'un côté du balancier, ni de l'autre, ni même dans l'immobilité, mais dans le mouvement. La paix se trouve dans le mouvement. La destination du chaman ne se trouve pas à gauche, elle n'est pas non plus à droite. Le chaman est un partisan de la troisième voie, la voie du milieu. Eh bien, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le chamanisme et sur les pratiques du chaman et quelles sont leurs intentions, je vais vous communiquer la carte totem du jour que j'ai tirée pour vous. Mais avant ça, nous allons terminer avec la réalité qui est invisible à nos yeux, puisque c'est la voix même du chaman, et que la voix des chamans nous enseigne à ressentir à travers notre corps, à utiliser celui-ci comme une antenne, à nous connecter, à écouter les messages subtils, à percevoir les informations sous forme de vibrations, beaucoup plus sensibles que celles que nos sens ordinaires perçoivent habituellement. Il y a tant de choses autour de vous qui existent, vibrent, naissent et meurent, et que vous ne voyez pas. Le monde visible vous trompe en permanence. Eh bien, la pratique du chamanisme, elle intègre des dimensions invisibles de la réalité. C'est se reconnecter à soi, à l'invisible, au monde des végétaux, au monde animal, à sa propre lumière intérieure, à son propre enfant intérieur. Le chamanisme nous invite à communiquer avec les esprits, à percevoir l'énergie des végétaux, des pierres, des minéraux, des lieux, à voyager dans d'autres dimensions, à faire des voyages chamaniques, à créer avec notre imaginaire, à nous connecter à notre intuition et à notre imaginaire. Comment pouvons-nous, lorsque nous sommes pragmatiques ou incrédules, avancer sereinement sur une route que nous ne voyons pas? Il faut s'abandonner, ne pas avoir peur, ne pas être dans le contrôle, recevoir les choses, accepter en fait même les épreuves de la vie, et si abandonner comme le vol d'un oiseau en fait. Quand un oiseau se met à voler, se met à partir, à voyager, il ne se pose pas de questions, il vit l'instant présent, il y va directement. Eh bien, aujourd'hui, la carte totémique est le colibri. Regardez ce magnifique oiseau, somptueux, léger comme le vent. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. En fait, soit vous faites des actes dénaturés ou qui ont du sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Tout deviendra grand par notre propre intention. Le colibri vole au-dessus d'un lac. L'environnement est verdoyant, fleuri, agréable. Les fleurs sont très colorées. Il s'agit d'une oasis. Le ciel est d'un bleu profond. Le colibri vient de récolter une goutte d'eau, en fait, dans le lac, directement dans le lac. Eh bien, voici le message et les mots-clés du colibri. Ce sont l'humilité. Merci de vous munir aujourd'hui de l'humilité, de la délicatesse, du discernement. Apprendre à s'auto-analyser, à discerner les choses. Être dans l'autonomie et le passage à l'acte. C'est-à-dire, comme les chamans, s'abandonner dans la voie du milieu, dans l'instant présent. C'est aussi la sobriété heureuse, le colibri. Et si le colibri est là, c'est pour aussi vous encourager à réévaluer vos engagements. Le colibri nous interroge sur votre rythme. Agissez-vous au bon rythme dans la vie? Vous laissez-vous porter par les événements? Qu'en faites-vous? Ou attendez-vous de tout maîtriser d'une situation avant de passer à l'acte? Ou est-ce que vous y allez totalement spontanément? Il est souvent préférable d'avoir moins de théorie et de poser dans son quotidien de petits actes concrets plutôt que de multiplier
de bonnes paroles pour se donner bonne conscience. Je suis le colibri, le plus petit des oiseaux. Je m'occupe de ma famille, je suis libre, je contribue à polliniser la terre en faisant voyager le suc des fleurs. En cela, je suis nécessaire. Imagines-tu, en transportant quelques graines de pollen, je contribue activement à semer d'autres fleurs, d'autres fruits et à nourrir l'humanité. Et toi, en quoi contribues-tu à rendre le monde meilleur ? Je viens te visiter pour t'aider à trouver ta place, à équilibrer tes paroles et tes actes. Je sais que ton cœur est pur et que ton ambition est grande. Tu aimerais changer le monde et que nous puissions vivre ensemble en paix et en harmonie, les uns avec les autres. Parfois, tu te sens impuissant à faire ta part. Ne te sens pas impuissant. Peut-être te laisses-tu emporter par de grands discours. Il est temps de poser les actes nés de ta belle créativité. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires, l'imagination et les capacités pour faire ta part dans ce monde en pleine mutation. Je m'engage à faire ma part. Je n'ai pas besoin qu'on me dicte ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin d'attendre que les autres bougent. Je n'ai pas non plus à attendre que nous soyons d'accord ou assez nombreux pour changer le monde. Il me suffit de faire ma part. Nous pouvons, d'aucuns, faire notre part chacun. Il me suffit de m'ancrer, de respirer profondément, de me reconnecter à la terre, à la mère Gaïa. Nous sommes plus que des opinions, alors je m'ancre, je respire profondément et je me connecte à ce que je veux vraiment et non à ce que je veux éviter. Et ainsi je commence enfin à co-créer. Je ne pose pas de petits actes à mon niveau que je suis sûre de pouvoir atteindre. Progressivement, le monde bouge, car il existe un petit nombre de personnes qui agissent à leur niveau. Je pose chaque jour une petite graine et chaque petite graine deviendra un champ entier. Semer une graine, ça peut être simplement sourire à un enfant ou à une personne en ayant conscience que ce petit geste peut déjà lui changer la journée. Soyez namasté dans l'énergie du colibri. En ce 9 avril, prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.